Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live. Enchanté de te rencontrer. Et bonne année. Bonne année 2022, nous sommes actuellement le 16 octobre 2022, il est 20h18, c'est la seule fois de ma vie que je pouvais dire cette phrase. Donc j'en profite. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Gartic Show, pas Gartic Phone. Gartic Phone tu connais, t'as connu, t'as vu des gens y jouer, c'est ce jeu où tu dessines un truc et ton pote il doit deviner ce que t'as dessiné avec une phrase et l'autre pote il doit lire la phrase et dessiner un truc par rapport à la phrase et ainsi de suite et c'est marrant. Eh ben ils ont sorti Gartic Show, qui est exactement le même jeu, ou pas d'ailleurs, et qui se joue avec le chat Twitch. C'est-à-dire que on avait déjà fait un jeu qui ressemblait beaucoup, voire qui ressemblait complètement, qui était Drawi. Tu te rappelles de Drawi? Le jeu me donne des mots que vous ne voyez pas parce qu'ils seront cachés par ma caméra. Je dessine et vous, en temps réel dans le chat, vous devez deviner c'est quoi le mot. Et le premier qui devine, bah, le jeu s'arrête et il dit telle personne a deviné que c'était ça le mot, félicitations. Et on fera un classement. On n'avait jamais rejoué à Drawi parce que je vous invite à aller voir la rediffusion, vous comprendrez. C'était cheaté, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. À peine je faisais un trait ou deux, même. Le moindre trait, il y avait déjà des gens dans le chat qui avaient deviné, alors peut-être qu'ils avaient accès à la base de données des jeux, et je sais rien, je sais pas, bref, il y avait des gens qui étaient trop forts. Et donc j'espère qu'avec Gartic Show, il y aura plus de mots, des différents, des surprises, et que les gens devineront pas forcément du premier coup. Et si c'est le cas, ben je me débrouillerai pour faire je sais pas, dessiner subtilement le fait que en commençant par la fin, par exemple, ou dessine d'abord un truc qui n'a aucun rapport pour induire en erreur, et pour à la fin montrer un autre objet, bref. On verra bien comment ça se passe. Donc bienvenue YouTube, je te souhaite une bonne rediffusion, je te fais des bisous, comme ça tu vois, des petits bisous, j'espère que tu vas bien. J-13 avant l'iceberg sur YouTube, waouh, moins de 2 semaines avant l'iceberg, c'est un truc de fou. Il est tellement pas terminé, c'est un truc de fou, ça fait peur. Donc voilà, YouTube, ils te font des bisous actuellement, donc fais-leur des bisous aussi dans les commentaires YouTube. J'en vois des fois qui le disent, ils disent « Ah, les gens sur Twitch, ils me disent toujours bonjour et nous on leur dit jamais bonjour, alors pour une fois, je vous dis bonjour. » C'est adorable, quand il y a des gens qui postent ça en commentaire, je le vois des fois, c'est adorable. Bonne rediff YouTube, profite bien du live, profite bien de ta journée, tout ça. Et nous, on part maintenant, déjà avec de la bonne musique en tête. Alors attends 2 secondes, hop là, je me mets ça, plein d'écran, je me mets comme ça. La caméra, elle est juste pas très bien placée. Là, elle est un petit peu mieux placée. Voilà, parfait. Je suis un petit peu mieux centré. Voilà, vous avez le chat en temps réel en haut à gauche. Ça, c'est formidable, c'est incroyable. Pas de bêtises, hein, les modérateurs sont là. Ils surveillent au grain pour vérifier que vous dites pas des bêtises, évidemment. Merci Baptoons qui arrive pour son 13e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci aussi à Ifumi Yama de Carisub pour ses 12 mois, c'est-à-dire un an, bon anniversaire à toi, déjà un an que je sub à ce... j'espère pouvoir continuer encore très longtemps, j'ai hâte du 69e mois, oui, évidemment, bien sûr. Merci à toi pour les streams et les vidéos extraordinaires, et au Modo pour leur travail merveilleux, bon live à tous. Grosse dédicace au Modo, on vous fait des bisous, on pense à vous, tout ça. Alors du coup, vous êtes connectés sur le chat de Farod Games, évidemment, le chat est juste ici, ma caméra est juste là, c'est parfait, on joue à Gartic Show. On va utiliser les mots du système parce que je n'ai pas de mots personnalisés, on va mettre des manches de 90 secondes, et on va faire, on va commencer par 15 manches, et si ça marche bien, on va faire 50 manches. Dites-vous bien que, en théorie, vous êtes tous à égalité, c'est-à-dire que vous avez tous le même délai de stream, et d'ailleurs j'y pense, peut-être que ça serait bien de désactiver le mode lent. Voilà. Quoique, 3 secondes, non, on va laisser 3 secondes de mode lent, pourquoi? Comme ça, ça vous force à pas écrire quelque chose qui est... c'est-à-dire que vous n'allez pas écrire quelque chose de très vite en mode « Oh, je suis sûr que c'est ça », ça vous laissera une seconde de réflexion en mode « Est-ce que je suis sûr que c'est ça? Ok, c'est ça ». Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, il va y avoir des gens qui vont spammer plein de mots différents. Au moins, ceux qui vont essayer de spammer, ils vont être bloqués pendant 3 secondes. Et 3 secondes, c'est largement suffisant pour qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui devinent le mot. Forcément, celles et ceux qui ont une mauvaise connexion internet, il se peut que vous ayez le stream qui est... Non, logiquement, il sera pas en retard par rapport aux autres. Mais si jamais il y a le moindre bug chez vous et le stream continue, rafraîchissez le stream, ou alors, conseil, mettez le stream en mauvaise qualité. Mettez le stream en 480p, 360p, un truc comme ça, parce que au final, les dessins des traits noirs sur une feuille blanche, vous allez les voir même en basse qualité. Voilà. Après, normalement, vous êtes tous à égalité, donc ça devrait bien se passer, et voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un bon jeu. On est tous sympas, on fait pas la gueule parce qu'on a perdu, ou parce qu'on est nul, ou parce qu'on quelqu'un a deviné avant nous. Et on est bons joueurs,
et on commence de suite, d'accord? Attends que le streamer démarre. Oui, ben je démarre, voilà, c'est parti. Choisis un mot. Ah, j'ai le choix entre deux mots, d'accord. Oh, c'est compliqué d'ailleurs. Je vais en prendre un, je vais prendre celui-là. Et donc, je vais avoir 90 secondes pour... Allez, c'est un test, vous êtes prêts? J'ai 90 secondes pour dessiner ça. Vous êtes prêts? Attention. Je me familiarise un petit peu avec les outils. Hop. Hop, voilà, par exemple. Oh, j'aime bien la musique. Voilà, donc déjà quelqu'un, ça ne ressemble à rien ce que j'ai fait, et quelqu'un a déjà trouvé que c'était une graine. Et quand je regarde le chat, et vous le voyez, la rediff à gauche, même malgré l'animation, il y a quand même pas mal de gens qui disent plante, mais beaucoup de gens qui disent graine. Donc finalement, mon dessin était peut-être trop simple. Il va falloir que je sois sournois et que je fasse des dessins un petit peu plus compliqués. Il est trop facile le premier. J'ai pas de temps pour choisir mon mot. Ça va, bah ça c'est génial ça. Le streamer choisit un mot. Mais merci de me laisser le temps. Ah, j'ai pas vu qui c'est. Ah, c'est Firty One qui avait trouvé le mot. Pourquoi t'as autant de points? T'as déjà joué au jeu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Waouh. Mais j'ai pas vu que c'était écrit en gros. Je verrai mieux ça. Vas-y, on en refait un simple, d'accord? Préparez-vous. Celui-là, il va être assez facile. Ou pas. Ou pas, pas forcément facile. Ah, la musique en arrière-plan est formidable. Attention. Ok. Voilà. Est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Oui, ça marche plutôt bien. Ok. Bien joué! Bon là, j'ai été beaucoup plus sournois pour le coup. J'ai vraiment été pas cool. Parce que juste vous dessiner une simple méduse, vous l'aviez tous en 30 secondes. Non, même pas, vous l'avez tous en une seconde. Donc je me suis dit, on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc Bob l'éponge, il chasse les méduses pour manger de la confiture de méduse. Donc du coup, c'est un bocal avec de la confiture de méduse qui sort. Et je suis désolé, je me suis un petit peu foutu de votre gueule. En tout cas, bravo, c'est Chaplin qui trouve le mot et qui du coup obtient 25 000 points. Je sais pas trop pourquoi il y a autant de points. Attends, deux secondes, j'ai cru voir un truc. Là, regarde-moi ça. Regarde ma souris. Attends, regarde ce faisceau-là. Il y a un point noir, là. Il a mal été détouré, le machin. Hop, voilà, ça m'a perturbé. Du coup, voilà, c'était la version un petit peu sournoise du dessin. J'en ferai pas tout le temps. Voilà. Par exemple, celui-là sera un petit peu plus simple. Ouais, parce que si je commence à faire des références trop compliquées que vous savez pas, vous allez me détester. Hop. Voilà, déjà, rien que là, il y en a qui y ont trouvé. C'est parti. Voilà, d'accord, ok, voilà, et c'est pour ça, ça va trop vite. J'allais dessiner la planète, avec le fond noir, parce que c'est dans l'univers, et j'allais faire les continents, et j'allais faire une flèche rouge qui montre un océan, du coup. Mais non, les gens vont trop vite, les gens sont trop forts, je suis désolé, c'est exactement ce qui se passait avec Drawi. Parce que les gens, et c'est cette façon-là que vous allez devoir apprendre à maîtriser, cette façon de penser, vous me voyez faire un rond bleu. Et juste après, un fond noir. Instinctivement, en fait, mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que je suis en train de dessiner? Du tac au tac, je dessine la planète. Je dessine la Terre. Du tac au tac. C'est un réflexe. Mais vous vous dites, mais c'est trop simple s'il dessine planète, c'est pas ça. Il doit faire quelque chose d'autre. Ah, il a pris la couleur bleue en premier. La mer, les océans, paf, océan, c'est parti. C'est pas simple de se mettre à ma place. Mais peut-être que vous arriverez à après-shot les dessins que je vais faire comme ça. Alors, le premier mot, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je le connais, mais je crois que j'ai jamais su ce que c'était réellement. Le deuxième mot. Ce sera peut-être un petit peu plus simple. Le premier mot, c'était noix de muscade. Je sais ce que c'est une noix, mais noix de muscade, je suis pas sûr exactement de savoir ce que c'est. Regardez, là, par exemple, je commence à dessiner quoi? Je commence à dessiner le soleil. Donc là, vous dites, ok, donc c'est pas simplement le soleil qui va dessiner. Il doit dessiner quelque chose en rapport avec le soleil. Qu'est-ce que ça peut être? Pour l'instant, j'ai encore rien dessiné. Voilà. Peut-être que ça n'a aucun rapport, parce que maintenant, je suis en train de dessiner un bonhomme. Attention.
Le bonhomme, il a des traits rouges. Peut-être qu'il pue. Peut-être qu'il pue un peu. Ou alors il est un peu chaud. Bien joué. J'ai pas encore eu le temps de dessiner la bouteille et le dessin était crème solaire. Si je vous avais fait un simple flacon avec un soleil dessiné dessus, vous l'auriez tous eu du premier coup, ça aurait pas été très 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 marrant. D'accord ? Donc c'est pour ça que je vais faire des dessins un petit peu plus sournois maintenant. On part sur... Alors attends, je vais te le dessiner d'une certaine façon, ça. Laisse-moi vérifier à quoi ça ressemble. Parce que je suis pas sûr. C'est bien ce que je pensais. Ok. Donc là, ça va plaire à certains, à mon avis. Ok, alors. Attention. Pour l'instant, vous êtes incapable de le deviner. C'est pas possible. Mais là, je vais rajouter deux traits qui peut-être vont vous faire comprendre. Voilà. Bravo! Le dessin était zombie. Putain, vous êtes bon. Putain, vous êtes bon! Non, sans déconner, vous êtes bon. Je pensais vraiment que ça allait durer un petit peu plus longtemps, là. J'ai dessiné le zombie dans Minecraft, tu sais. Et c'est pour ça que je voulais pas me tromper. Je voulais pas dessiner le creeper, donc je voulais vérifier comment, à quoi il ressemblait, du coup. Donc c'est un zombie, ça s'écrit voilà, comme ça. Bravo Titelita qui a trouvé. Il y en avait qui tout à l'heure? On avait Yuna. Bravo, bravo Yuna. Et on avait Light Forest aussi. Ah maintenant on a cajou comme mot à faire deviner, mais je sais pas ce que c'est moi un cajou. Ni les noix de cajou. C'est quoi un cajou? Une cajou? Je sais pas. Donc on va faire forcément deviner l'autre. Commencez pas à écrire cajou dans l'arbre. Pardon, on m'a écrit arbre. Commencez pas à écrire cajou dans le chat, je veux dire. C'était juste un test pour voir si le... Comment on fait pour supprimer le dessin? Merde. Je vais perdre tous tes points. Ah merde non! Pour supprimer le dessin. Merde. Bon attends, je vais le faire juste en dessous. Plutôt couleur verte on va faire. Ah, ça trouve pas là. Très bien, on va faire quelque chose d'autre. Ah, bien joué, bravo. Le mot était sale, bien vu. Ah, il y en a dans le chat, ils sont sournois. Light Forest, tu es quelqu'un de très sournois, bravo. Tu as trouvé que le mot était sale. Bien vu, oui vous êtes sale. Vous êtes sale et vous puez. Il fallait avoir la ref, des streams et tout. Ouais, celle-là elle était peut-être un peu trop perchée. Je ne sais pas ce que c'est un alpaca. Qu'est-ce que c'est un alpaca? Je crois savoir ce que c'est un alpaga, mais un alpaca avec un C, je ne sais pas ce que c'est. Donc du coup, je vais prendre l'autre mot. Si vous voulez me donner un petit peu de culture dans le chat, n'hésitez pas à la partager. Alors attention, celui-là sera très facile. Préparez-vous. Ouais, j'ai pas eu le temps de le finir, c'était certain. C'était certain que ça allait vite. C'est le nom anglais alpaca. Ah d'accord, ok. C'était un microscope, bien joué. J'ai vraiment pas eu le temps de le finir, ni de dessiner le personne qui regarde à l'intérieur. Vous êtes trop chaud. Je préfère continuer à faire des dessins sournois. Ah, alors celui-là. Celui-là, il va être bien. Celui-là, il va être bien. Ok, alors attention. Oh, mais la musique qui va bien et tout. Pas eu le temps de les dessiner, non. Vous êtes chiant, mais bravo. C'était les pingouins.
Je suis en train de recréer la scène du trailer de Mario où les pingouins lancent des boules de neige sur Bowser, du coup. Non, c'était pas dur à trouver, du coup, quant à la ref, mais je me suis fait trop rire à dessiner Bowser. Bah ouais, du coup, mais dès que j'allais mettre la couleur... En fait, dès que j'avais commencé à mettre la couleur bleue, c'était déjà fini, quoi. Ouais, c'était pingouin. Bien joué. Putain, vous êtes chauds, là. Non, ils sont rapides. Oh, Moniscool, t'as marqué un point. C'est toi qui l'as trouvé, celui-là, Moniscool. Bien, bien joué. Ouf. Oh, celui-là. Oh, si je te le dessine de tête. Oh là, alors ça fait... je sais pas combien d'années que je l'ai pas vu. Oh, de mes souvenirs. Vraiment, là, je fais appel à mes souvenirs. Je sais que c'est triangulaire là-haut. Ah, ma souris qui bug. Mais vas-y, mais oh là là, vous m'agacez là. D'où tu trouves que c'est un ornithorynque direct là? Je sais plus du tout s'il ressemble à ça. Je sais plus du tout, je sais même pas quel genre de yeux. J'allais faire des yeux qui partaient un peu sur les côtés comme ça. Putain, vous êtes trop chaud. Vous êtes vraiment trop chaud. Mais par contre, vous avez la ref, ça me fait plaisir ça. Je sais pas si c'est un truc de vieux, Phineas et Ferb. Je sais pas si c'est si Perry l'ornithorynque, c'est un truc de vieux, de boomer ou pas. Ouais, ah, il était plus vert, ok. Ouais. Les yeux, comme ça, en derp, je pense plutôt que c'est quand il est en mode animal qui veut pas se faire griller, tu vois. C'est pas vieux du tout. Parce que j'ai l'impression que j'étais assez jeune quand je regardais ça sur Disney Channel, je crois. Ouais, c'est cool, on a les mêmes refs. Oh, celui-là, ok, celui-là, vous allez le trouver, mais il sera quand même compliqué à trouver, entre guillemets, depuis le chat. Alors... Ouais, je le... Oh, ça, je suis en train de me donner trop faim, c'est une catastrophe. Voilà, on a... Ouais, les points vont être trop gros après. Bien... à quoi ça ressemble là-haut, un truc comme ça. Et alors hop là, c'est l'erreur. Est-ce que je peux revenir en arrière? Oui. Et je vous donne un indice. Vous l'avez perdu, c'était une mousse aux fraises. Je me sentais que ça allait être compliqué à deviner ça. Donc je vous ai fait un gâteau à la fraise, je vous ai fait une fraise. Et en haut, je t'ai fait de l'eau avec du savon, des bulles et tout ça. Et genre, ça fait de la mousse, tu vois. Et genre, une mousse aux fraises, du coup. Voilà. Je sais pas si ça ressemble... Enfin, je me doute que ça ressemble pas à ça, une mousse aux fraises, mais... Si je t'avais fait juste un truc tout rose à étaler, j'en sais rien, vous auriez pas trouvé, je pense. Après, est-ce que ça existe, mousse aux fraises, dans la vraie vie? Je ne sais pas. Là. Vu les réactions du chat, apparemment, personne... Je suis ban. Ah, d'accord, ok, je suis désolé. C'est bon à savoir, est-ce que ça n'existe pas? Ok. Compliqué à dessiner? Ben ouais, c'est clair. J'ai l'impression qu'ils ont mal traduit milkshake. Ben, y a pas fraise dans milk, ni dans shake. Ça peut pas être une tradition de milkshake, mousse aux fraises, à mon avis. Sinon, ils auraient dit les remuer, un truc comme ça. Ah, milkshake à la fraise. Tu crois? Je suis pas assez bilingue pour le savoir, mais d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Surtout mousse aux fraises et pas mousse aux fraises au pluriel. Ou mousse à la fraise. Ouais, j'avoue. Ah ouais, j'avoue. Mousse aux fraises, mais fraise au singulier et eau sans le X. Ah ouais, c'est bizarre, t'as raison. Trop compliqué, j'aurais dû le capter et vous le dire. Ah putain, mais attends, je sais pas comment on dessine ça.
C'est le reflet, hein. Putain. En vrai, il était parfait, mon dessin. Bon, je lui ai mis des lunettes, hein, parce qu'il est cool, tu vois. Il se tient de manière cool sur le comptoir, tu vois. Mais, ouais. C'était le fait d'être accoudé, donc... Ouais, je sais pas. Non, en fait, c'était super dur. C'est tombé. Bravo, Linky Berry, qui a réussi à trouver comptoir avec les faibles indices que j'ai pu donner. Hein. C'était chaud. Ok, alors là, clairement, il y a un problème de traduction. Le mot est date. Mais avec deux T. Daté. Alors, je sais, peut-être que c'est un mot qui existe en français, je ne le connais pas. D-A-T-T-E. Du coup, je vais vous faire l'autre qui sera marrant à dessiner, je le sens. C'est un fruit. Ah merde. Ah d'accord, ok. Ah, c'est gênant. Venez, on fait comme si c'était rien passé. Venez, on fait genre je dessine et tout. Allez. Ouais, alors. Ok, alors. Du coup. Voilà. Hop. Voilà. Bah mon dessin est fini en fait. Ouais, voilà, mon dessin est plutôt bien là. Allez. Je rajouterai rien, aucun autre indice. Je veux qu'il y en ait un qui le trouve. Je vous laisse. Là c'est au talent. Qui va le trouver? Bien joué, bravo à Bisounours94 qui a trouvé le mot revenir. Il va là-bas et en fait il revient. C'est le verbe revenir. Mais il y en avait plein qui étaient sur la bonne voie quand vous disiez mauvais sens, retourner, demi-tour, de sens unique, aller-retour. Ouais, vous étiez chaud. Mais le mot était revenir. Dommage. Ensuite. C'est quoi ça? Poneuil. Poneuil. Je crois vraiment qu'ils ont vraiment trop mal traduit. P-O-N-E-Y. Poneuil. Je vais vous faire l'autre mot du coup. Bon, on va faire ça par élimination, je pense. Alors, du coup, hop. Voilà. Ah, ça va être plutôt facile. Allez, là, il y en a bien un qui va l'avoir de suite. Bah oui, facile. Ah mais vous avez pas capté que je trollais depuis le début, mais je savais que c'était un poney, oh, mais je savais très bien ce que c'était, une date, oh, ah vous croyez que je suis sérieux, mais je faisais semblant, c'est de l'humour, c'est pas... vous croyez que j'étais un culte ou quoi? Alors, c'était une ruche, bien joué Guigui Blockcraft, bravo tu as trouvé, c'était pas un fruit de la passion, désolé. Bon là, sérieusement, c'est quoi ce mot? Ah ouais, attends, je crois savoir ce que c'est ce mot. Ah celui-là il va être trop dur, attends, comment tu dessines ça? Je te le dis pas, parce que peut-être qu'il reviendra plus tard. Il est dur. J'ai vraiment cru que ce mot était mal traduit en anglais. Je te le dessine. Et encore que j'ai un doute sur exactement ce que c'est. Enfin, je veux dire, visuellement, j'ai peur de confondre avec un autre truc. Voilà. Je suis obligé de dessiner à la va-vite, parce que vous trouvez trop rapidement. Ouais, le mot était ben. Genre ben à ordure, genre poubelle. Mais quand j'ai vu ben, en fait, je me suis dit, c'est quoi la ben? C'est ça? Ou alors la ben? C'est ça? J'ai eu un doute, en fait. Pas mal. Ah, vous êtes gentil. Merci. Ok, celui-là, je vais le tenter, mais il va être compliqué. Ok. Bon, alors celui-là, il va être dans les... Préparez-vous, il va être dans les annales
des dessins Gartic Show. Il va être dans l'histoire de ma chaîne Twitch, celui-là, préparez-vous. Waouh. Alors là, je... Non, parce que... Waouh. Je sais pas comment t'as fait, mais waouh. Tu as trouvé que c'était un cacatoès. Avec un dessin de caca. Un dessin de Homer Simpson. J'avais pas eu le temps de montrer qu'il avait mal et qu'il s'était blessé. D'où les sourcils et la forme de sa bouche qui fait un... Comme ça, là. Tout, comme ça. Donc ça fait cacato et la lettre S, du coup. Waouh. Bien joué. Donc, ouais, ah, les gens ont pas la rêve du to. C'est un gimmick d'Homer Simpson. Il dit toujours ça quand il se fait mal ou quand il fait une erreur ou il fait une bêtise ou des trucs comme ça. Vous êtes peut-être trop jeune, c'est le rêve de boomer, je pense. Désolé pour vous. Mais bravo, putain, Roxane Option. Un mètre. Bravo. Oh là là, chapeau. Très fort. Hein. Oh, c'est déjà la fin des 15 manches. Ok, bravo. Bon, on va relancer une dans la foulée, hein, vous inquiétez pas. On va aller vite. Eh bien, bravo, vous avez le classement qui s'affiche juste là. Voilà, je fais dérouler. Bravo aux gagnants, bravo à tout le monde. Et on va redémarrer un petit coup. On va se faire une manche à... Voilà, maintenant que vous avez bien compris les règles, que tout le monde est là, tout le monde est paré, tout le monde est prêt, on va lancer une vraie game, là, paf. 50 manches. Vous êtes prêts? Je vous laisse quelques secondes pour vous préparer, je reviens 2 secondes. Attends. Bouge pas. Je suis foutu, ouais. Attends, je cherche juste un petit truc. Arrive. J'arrive, 2 secondes. Voilà. Ouais, désolé, le cuir de la chaise fait que ça chauffe beaucoup. Et là, je commence à avoir très chaud, donc je me suis mis une petite serviette sous les jambes, du coup, pour que ce soit plus agréable. Oh ouais, bah du coup, je touche juste derrière à tout qui tombe. Voilà, donc vous connaissez les règles, on part pour une vraie séance de jeu à base de 50 manches. C'est chacun pour soi, tous les points comptent. Préparez-vous, vous avez bien compris comment ça marche. J'en profite pour remercier les subs qu'il y a eu depuis la première manche. Merci à Oborozuki qui a resub pour son 25e mois. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à Rafifou qui a resub pour son 5e mois. Vers quelle heure se terminera le live, s'il te plaît? Je ne sais pas. Je sais, 22h. À mon avis, ce sera 22h. Ou même à la fin de ces 50 manches, je pense. Parce que la première manche, elle m'a pris quoi? Une demi-heure? 20 minutes? Bah si, 15 manches, 20 minutes? Bon, on verra à la fin des 50 manches quelle heure il est. Mais je vais m'arrêter aux alentours de 22h si possible, comme ça je retourne bosser directement. Bonsoir Emily1338, merci pour les 2 ans de resub. C'est énorme, 2 ans, trop fier de nous, continue comme ça, Farod. Ben merci, c'est gentil. Zalexou, merci pour les 2 mois de resub. What the fou 11, merci pour les 2 ans de resub, toi aussi. Merci beaucoup, bon anniversaire à toi aussi. Pharrell Games FR, merci pour les 7 mois de resub, merci beaucoup. Moontrees, merci pour les 6 mois de resub. 6 mois, toujours en plaisir de resub. J'attends avec At l'Iceberg. Incroyable la bande-annonce sur Insta. C'était un teaser du teaser, mais merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Et Valkyria73, merci pour les 200 bits. Mesdames et messieurs, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Et que le meilleur gagne. On part dans 3, 2, 1. C'est parti pour les 50 manches. Je peux pas faire plus long. Alors on y va. On commence.
Ah, on commence, ok. Comment je dois le dessiner celui-là? Il faut que je sois subtil, il faut que je sois sournois. Bon courage, bonne chance à tous. Hein. Alors. Oh, il est tellement... Oh, bien joué. Oh, bien joué, bravo. Bravo à celui qui a trouvé. Alors, en fait, ça, le mot était État. Je vous faisais... je vous dessinais la map des États-Unis ou alors la Terre. C'était trouvé en 2 secondes. Alors, du coup, j'ai réfléchi à État, plutôt État... genre, État, je suis en train de dormir, État en colère, État triste, des trucs comme ça. Donc, bravo, bien joué, Tom le Gamer 90. C'est mérité, t'as trouvé. T'es trop fort, bravo. Alors, ouh. Oh, celui-là. Oh putain, comment je vais te le dessiner? Oh, c'est... Attends, je vais quand même aller vérifier de... qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Parce que putain, comment tu peux dessiner ça? Oh mon dieu! Ouais, même Google Images, il me sort pas d'image. C'est pas un... représentable ce truc là. Bon, ben, je vais faire ce que je peux, mais je pense pas que vous allez le trouver en 90 secondes. Je pense même pas que je vais réussir à le dessiner. Oula, alors c'est pas ce que vous croyez. Je sais pas, peut-être. Voilà, je sais pas. Ouais, je me suis dit avec de l'eau, peut-être. C'était, ouais, c'était le fait d'être béni. Comment tu dessines le fait d'être béni? Je sais pas. Est-ce que vous auriez eu une meilleure idée pour dessiner ça? Donc j'ai fait la lumière qui vient du paradis, évidemment, qui vient du ciel. J'ai fait le prêtre avec son chapeau de pape comme ça, qui la personne à genoux en train de prier, et je sais pas, qui lui met de l'eau sur le visage. J'y connais rien dans cette religion-là, je ne sais pas. Mais ouais, béni, B. S'il faut, c'est ça, je sais pas. Tu mets un B dans un I. Ah ouais, d'accord. Toi, t'es resté sur le rébut de Kakatoès, non? Ah, une auréole, ouais. Ouais. Bon, ça aurait été peut-être un peu trop simple, le coup de l'auréole, je pense. Ah ouais, d'accord, ok. Allez, je le fais, celui-là. Ok. Préparez-vous. Bon, malheureusement, tout le monde ne le devinera pas forcément, parce qu'il faut avoir la ref. Chaud. Bravo, hein. Bravo. Et ta reine Kos, qui s'appelle celui qui a trouvé, bravo. C'était bien le mot épée qu'il fallait trouver. Oui, bien sûr. Bien sûr, donc on part sur un rébut. Dites-vous qu'à chaque fois que je dessine un plus, ça veut dire qu'on va faire un rébut. Donc à gauche, forcément, le symbole est. Et à droite, je me suis dessiné moi, sur ma chaise, avec mon clavier, mon écran devant moi, mon bureau, mais surtout avec un micro coupé. Rappelez-vous, à chaque fois que je mute mon micro depuis presque 2 ans à chaque stream, voilà. Voilà, vous l'avez.
Du coup, c'était peut-être le symbole le plus important en haut à droite. Voilà, bravo, hein. Bravo à ceux qui avaient la ref. Hein. Pourquoi t'as pas... Hein ? Mais pourquoi t'as des cheveux ? Quoi ? Des cheveux ? Mais c'est pas des cheveux, c'est mon siège en arrière-plan. C'est la forme de mon siège, comme ça. Qui me prend de la place, qu'on voit forcément pour... Tu sais, c'est le cliché des gens qui font du stream, ils ont des gros sièges comme ça, c'est pour ça. Ah putain, je comprends que tu croyais que c'était des cheveux, ok. D'accord, ça... C'est... Oui, bon, allez, désolé, du coup. Bien joué, bravo, bravo, bravo. On part sur... Ah, celui-là, il va être intéressant à dessiner. Un nouveau dessin. Ah, vous croyez que c'était une meuf. Désolé de vous avoir induit en erreur. Et là, ça va être un bordel sans nom pour dessiner. Non, mais sérieux ? Sérieux ? On peut même pas savoir que c'est un avion ce que je suis en train de faire. Comment t'es trop chaud ? Ouais, non, là par contre, c'est abusé. En plus, c'est même pas un mot petit facile à deviner, c'est embarquement. D'où t'as trouvé ça, Anouk Dread ? Cette personne est hôtesse de l'air. Cette personne travaille à l'aéroport. Elle a reconnu directement la perspective de l'embarquement. En plus, c'est même pas ça. L'embarquement, c'est quand tu fais la file d'attente pour montrer que oui, bah, regardez, j'ai le billet, j'ai mon passeport, merci. Et ensuite, tu vas ici et t'embarques. Du coup, ouais, quoique l'embarquement, c'est ça en fait aussi. Finalement, c'est pas que le contrôle, c'est aussi ça. Maintenant que je me rends compte. Mais je voulais dessiner l'aile de l'avion d'un côté, de l'autre, la queue de l'avion et tout. Ouais, trop fort, trop fort, trop fort. Allez, on part sur un nouveau mot qui sera... Ah ouais, d'accord, on va dessiner ça. Ok. Ouais, voilà. Et merde. Oh, la musique s'est arrêtée. Andross has again invaded the Lilac system. General Pepper has turned to a new Star Fox team, headed by Fox McCloud, to save Corneria and free the Lilac system once again. Ok, je suis allé trop loin. J'admets. J'admets, c'était le mot pastèque. Parce qu'il y a une étoile dans Mario Sunshine où il faut ramener la plus grosse pastèque pour avoir une étoile. Ok, d'accord. J'admets que cette fois, je suis allé beaucoup trop loin. Je comprends. Ok, c'était les soleils de Mario Sunshine, tu vois, c'était la même forme. Franchement, c'était trop dur. Je sais pas dessiner une pastèque, mais elle est tellement grosse qu'elle dépasse du cadre, tu vois. Donc forcément, elle est énorme. Et derrière, il y avait les plus petites, les autres pastèques qu'il fallait pas apporter, tu vois. Une pastèque, c'est bleu. Mais je sais pas, je sais plus, une pastèque, c'est vert. Il y a des reflets bleus, un truc comme ça, non? Non, mais les pastèques dans Mario Sunshine, elles sont pas noires. De mon souvenir flou, elles sont vertes, je crois, non? Je vais vérifier. Ouais, peut-être que je me trompe. Hein. Pastèque. Elles sont vertes. Oh là là, elles sont vraiment vertes. Par contre, elles ont des traits. Je me suis trompé. Elles sont complètement vertes, les pastèques. Hein. Regarde. Elles sont comme ça. D'accord, il n'y a pas des ronds. C'est plutôt des traits comme ça. Full verte. Non, mais c'est juste que vous n'avez pas de ref. C'est tout. Voilà. Vous n'avez pas les bases. C'est pas grave. Je suis là pour vous les apprendre. Allez, on continue. Oh,
Mais en fait, j'ai pas de différentes couleurs. En fait, j'ai que le vert pur. Donc si je voulais faire une autre couleur pour faire les traits qui ressemblent un peu, c'était que le bleu, je pouvais rien faire d'autre. Ou le gris à la limite, tu vois. Alors attention, ça aussi, c'est... Il n'y a que certains qui auront la ref, pas tous forcément. Bien joué, c'était une chaussure. Bravo. Putain, alors là, je pensais vraiment pas que vous allez le trouver celui-là pour le coup. Il était bien... Non, il était bien... Ok, d'accord. Mais je m'attendais pas à ce qu'il propose un jeu comme ça, un mot comme ça dans le jeu aussi, forcément. Bravo Pikman, 2630, qui a trouvé le mot chaussure. Ouais, t'es allé loin pour le trouver, bravo. Nouveau mot qui sera... Et je crois qu'aucun des deux, je ne sais les dessiner. Je vais te dessiner le premier et je suis pas sûr de savoir comment ça se dessine. Vas-y, je te le fais le plus minimaliste possible. Comme ça, tu vas bien galérer. Oula. Bien joué, c'était une matraque. Bravo. Ce n'était pas une baguette magique. Non, mais on aurait pu croire que c'était un magicien, tout ça. Et non, c'était un policier parce qu'il avait des lunettes de soleil de policier. Et un képi de gendarme, bien sûr. Donc c'était évidemment la matraque. Et je ne sais pas à quoi ça ressemble une matraque. À la fois, je pense aux matraques télescopiques là, qui peuvent grandir. Et à la fois, je pense aux matraques dans les dessins animés, genre dans Mickey, une espèce de massue, tu sais, un gourdin, un truc comme ça. Donc... Une matraque, bien joué. Le mec au comptoir était aussi un policier. Oui, mais habillé en civil, hein, pour le coup. Ouf. Oh, attends, celui-là, il est dur. Eh, attends, ça veut dire quoi, ça? Oh, putain, je sais pas ce que ça veut dire. Mais je vais pas vous le dire à votre, parce que vous allez encore vous foutre de ma gueule. Donc, je vais vérifier sur Google ce que ça veut dire. Je crois deviner ce que c'est. Ah, putain, au moment où d'accord, je sais ce que c'est. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Je n'en possède pas. Je n'en ai jamais eu de ma vie. Je n'en ai jamais vu de ma vie. Je vais vous le dessiner. Je vais vous le dessiner. Et comme ça, vous pourrez me juger. Alors, j'avoue, ok. Je comprends mieux. Je sais pas en fait ce que je suis en train de faire. Ça ressemble vraiment à ça? Ouais, en fait, la partie avait la... Attends, mais pourquoi j'ai vu ça sur Google, en fait? Ah ouais, il y a ça sur Google. Mais ça doit être un truc particulier. Oubliez ça, en fait. Espèce de paille. Oubliez-la, ça va juste vous induire en erreur. Là, je suis en train de faire l'examen avec mes connaissances, là, pour le coup. À base de mes connaissances. Voilà. Je peux pas faire mieux. D'accord, je dessine à ce point-là comme de la merde. Parce que là, vous êtes tous en mode poisson, je sais pas quoi. Ah, je l'ai pas fait de la bonne couleur, peut-être. Je croyais que c'était noir, c'est peut-être marron, en fait. Mais je confonds encore avec autre chose. Oh mon dieu, je crois que c'est le pire dessin que je suis en train de faire. Je ne veux même pas me justifier sur ce que je dessine. Vas-y, on... Mais pourquoi dans ma tête... Attends, mais je l'ai vu, ça. Y a pas une branche comme ça dans le sucre, en général? Quand j'étais petit, chez mon meilleur pote, ils avaient ça. Dans le sucre en poudre, il y avait une espèce de... Je sais pas ce que c'était, un bâton, j'en sais rien. Un sucrier, voilà, j'en ai jamais eu de ma vie, c'est un bocal qui contient le sucre. Comment te faire un bocal avec un truc blanc? Je ne sais pas, donc j'ai pensé au bâton. Et oui, sur les images que j'ai vues en tapant sucrier dans Google Images, il y avait une paille dans des trucs métalliques. Je vous demande à tous et à toutes de me respecter, s'il vous plaît, même si c'est très compliqué en cette soirée...
OMG, c'est la vanille pour faire du sucre vanille. Il n'y en a pas forcément. Ah, c'est pour ça qu'il était bon son sucre alors. Il mettait de la vanille, ce petit coquin. Désolé, bah là vous avez pas la ref. Non mais venez, on fait comme si c'était rien passé. Oh, bonsoir et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. On va jouer à Gartic Show. Je vais jouer, je vais utiliser le mot quoi. Bien joué, c'était une raquette, parce que je me suis rendu compte qu'en cours de dessin, je m'étais gouré. C'était pas une roquette qu'on me demandait de dessiner, mais bien une raquette. Mais je me suis rattrapé comme j'ai pu. Donc c'était bien un lance-roquette, mais le O de roquette devenait un A. Allez, c'est pas ma soirée, on fait comme si c'était rien passé. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau live, j'espère que vous allez bien, ça va, enchanté, bonne année. Alors on va jouer à Gartic Show ce soir. Le streamer choisit un mot, donc si vous voulez bien, je... Attends, quoi ? Mais qui... Attends, mais qui a proposé ce mot ? Ça n'a aucun sens. Je le prends, c'est génial. Attends, comment j'ai dessiné ça ? C'est formidable. Oh non. Oh putain de merde. Oh non. J'essaie d'aller vite. Oh merde, bon c'est pas grave. Voilà. Bien joué, c'était une soupe de poulet. À quel moment le jeu te propose le mot soupe de poulet ? Il est formidable ce jeu, il propose des trucs qui n'existent pas. Du coup j'ai fait une soupe avec un petit... Je voulais faire un vrai poulet, puis après à la fin je t'ai fait Steven dedans. Et soupe de poulet du coup, c'est marrant. Je m'attendais pas à ça. Bravo. Ah, j'ai pas vu qui c'est qui avait trouvé, mais bravo. Bravo, R.I.P. Steven, si je vous entends. Ah ben non, tu peux pas, t'es mort. Alors, comment on va dessiner ça? Vas-y, je tente. Je tente un truc. Je vais tenter un truc. Attends. Là, vous me laissez quelques secondes pour me préparer, d'accord? J'aurai jamais le temps de le dessiner en 1 minute 30, c'est pas possible. Putain, non. Je suis désolé, personne trouvera. Bien joué, c'était un appel. Bravo. J'ai dessiné Denis Brognard qui fait ah et une pelle à côté, donc ça fait appel du coup. Bravo. Félicitations. Trop dur à dessiner Denis Brognard qui fait ah. Franchement, on aurait joué au jeu il y a peut-être 5 ans. Là, tout le monde aurait eu la rêve de suite. Mais là, je te ressors un truc comme ça en 2022. C'est beaucoup trop compliqué.
Mais bravo, hein. Putain, Oupès qui a trouvé le mot, mais t'es incroyable. T'es beaucoup trop chaud. Bravo. Félicitations, tu es formidable. Tu es une bonne personne, tu as les bonnes références. Oh mon dieu, il y a un mot que je voulais pas voir. Ah, Derk, je vais faire l'autre mot. L'autre mot qui est encore plus compliqué à dessiner de toute manière. Qui va se dessiner comme ça? Oh, je l'ai tellement bien fait. Pouah, mais c'est le plus beau trombone que j'ai fait de ma vie, je crois. Et d'un seul trait, d'un seul coup de main. Paf, sans lever le crayon. Tu savais que le trombone, tu pouvais pas le dessiner sans lever le crayon. Je mets au défi tout quiconque, là, d'essayer de faire des TikTok et de dessiner un trombone sans lever le crayon. Pas possible. Il y arrivera pas. Comment ça, c'est pas une épingle? Mais comment ça? Qui a osé dire ça dans le chat? C'est pas une épingle, c'est un trombone. Non mais ça c'est encore une différenciation du nord et du sud de la France en mode ça y est, nous on appelle ça des épingles parce qu'on est un petit peu plus... Non, c'est un trombone, point final. C'est une punaise, désolé. C'est un document. Non, allez, c'est bon. Choisis un mot. Ça je saurais pas le dessiner. Attends, comment je peux dessiner ça? Waouh, je sais pas le dessiner en fait, je me rends compte. Waouh, t'es trop chaud. T'es trop chaud. Comment tu fais? Tu triches? T'as des contacts chez Gartic Show qui te donnent les réponses en avance? Comment tu fais? Bio! Bravo, oui, c'était la hauteur. Comment tu dessines la hauteur? Donc je fais un petit bonhomme, une grande montagne, et j'allais faire une flèche en rouge pour représenter la distance entre le ciel et le sol. Mais dessiner hauteur, waouh! Complicado! Ensuite, waouh, attends. Ah, celui-là, je vais essayer de te le faire aussi un peu sournoisement. Mais il faut que je vérifie sur internet pour être sûr que je dessine bien la bonne chose. Non. C'est trop dur. Ok, alors. Pendant les 80 premières secondes, je te dessine le mot et je sais que tu le trouveras pas. Et pendant les 10 dernières secondes, je te dessine le vrai mot et là tu le trouveras de suite, d'accord? Voilà, le vrai mot sera dessiné ici. Je me garde la place pour plus tard. C'est pas un dos d'honneur, il fait comme ça. Ok, donc vous trouvez pas, et maintenant je te fais le vrai mot. Voilà. Non, c'était sûr, vous l'aurez pas trouvé celui-là. C'était le mot bagage. Bagage, donc je t'ai fait une valise, voilà. Bon, valise, bagage, c'est pas si loin. Et donc en fait, je voulais dessiner un mec qui avait des bagages. L'expression avoir des bagages, avoir beaucoup de culture, être intellectuel, tu vois, donc le mec, il te fait des maths, voilà, 2 plus 4 au carré, il te fait des maths, il parle japonais, il te sort la date 1914, il te sort une date comme ça, il te sort la capitale de tel pays, il a la culture politique, il a des bagages, tu vois, le mec. Je suis peut-être allé un petit peu trop loin, je connaissais pas cette expression. Ah,
Ok, Tabus Farod. Ah, ok, d'accord. Vous jamais entendu ça. Ah, je suis une vieille personne, c'est ça que vous sous-entendez? Je demande à un sondage dans le chat pour savoir si quelqu'un connaît l'expression « avoir des bagages ». J'ai pas inventé cette expression quand même. Hein. Vous me faites passer pour quoi là, s'il vous plaît? Jamais entendu, connais pas. Mais je vais me vexer en fait. Hein. Ah, ça suffit. Mais bon, allez. Du coup, ce qui va se passer maintenant, c'est que bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Waouh, regarde quelque chose, ça a l'air énorme ce soir le jeu. En fait, il faut que je choisisse un mot. Et voilà. Oh, alors celui-là. Mais c'est quoi ça? Même moi, je sais pas ce que ça veut dire. Attends, Mais attends, celui-là, il va être formidable ce mot. Waouh! C'est n'importe quoi de nous proposer un mot pareil. Par contre, je viens d'apprendre quelque chose. Alors, le sondage, juste pour vérifier. Vous êtes quand même en majorité à dire que vous connaissez pas l'expression. Vous êtes 57% à dire que vous le connaissez pas. C'est trop mal. Eh, mais en fait, faut aller à l'école. Et genre, faut écouter aussi, des fois, non? Ok. Faut sortir, faut regarder des films, faut lire des livres. Je sais pas, faut avoir des bagages, en fait, pour connaître l'expression, tout simplement. Mais c'est fou. C'est incroyable. 57% des gens qui connaissent pas l'expression, je me sens trop mal. Ah, je me sens à la fois supérieur à vous et vieux. C'est une sensation que j'avais jamais ressentie avant, tu vois. C'est marrant. C'est nouveau. C'est un nouveau sentiment. Ah, j'aime bien. Ok, pourquoi pas. Bon, alors, vous êtes prêts pour ne pas découvrir le prochain mot, du coup? Parce que, pour le coup, celui-là, il est vraiment... Franchement... Bah, je dis les termes. Si quelqu'un trouve le mot, bah, j'offre 10 subs au hasard, là, dans le chat. Dernière fois que j'ai offert des subs sur Twitch, c'était il y a 2 ans, je le fais jamais, parce que je suis un gros rat. Si quelqu'un trouve le mot, j'offre 10 subs au hasard dans le chat, plus, évidemment, un sub à la personne qui trouvera s'il n'est pas déjà sub. Et en plus, j'ai pris une photo sur Google pour te le dessiner l'objet, vraiment de manière impeccable. Mais là, tout le monde le connaît, je suis le seul à pas connaître, ça va me gaver ça. Oh, tu connais pas Farod, pourtant c'est hyper connu, tatata. Par contre, j'espère qu'il va pas y avoir des gens qui vont tricher, qui vont chercher oiseau à yeux rouges dans Google, du coup, pour trouver le nom, je suis en train de me dire. Et alors là, qu'est-ce qu'il a dessiné? Vous êtes prêts? Le mot, c'était autour des palombes. C'est bon pour vous? Je viens de vous dessiner un autour des palombes. Voilà ce que je viens de vous dessiner, du coup. Trop de luminosité, peut-être. Voilà. C'est un oiseau qui s'appelle autour des palombes. Mais je suis quasiment sûr que c'est une erreur en traduction. À quel moment un oiseau s'appelle comme ça? Voilà. Donc, pas de sub offert, c'est très triste pour vous tout ça, dites-moi. Et du coup, ouais, non, j'ai vraiment tapé autour des palombes dans Google. Et écoutez, l'autour des palombes est une espèce de rapace de taille moyenne de la famille des Accipitridae. C'est une espèce proche de l'épervier d'Europe. Je viens de choper un bagage là, attention. Oh, on va tellement la remettre à la mode cette expression, je te le dis, avoir des bagages. Donc voilà. Autour des palombes. Undertale. Qu'est-ce qu'on en pense?
GG, nouveau bagage débloqué. Let's go! Trop bizarre. Mais il pouvait pas dire genre un hibou ou proposer genre une hirondelle. Non, non, autour des palombes. C'est un truc de fou. Par contre, merci de pas avoir triché. Hein. Merci de pas avoir. Est-ce que si on, je tape oiseau œil rouge, on trouve? Oiseau œil rouge. Pas sûr. Hein. Peut-être parce que tous les oiseaux ont des yeux rouges. Et hop, nouveau bagage débloqué. Non, on tombe pas dessus dans tous les cas. Un truc de fou. Un truc de fou. Prochain mot que je vais vous faire deviner. J'avais pas vu le Discord, les modos. Prochain mot, ça va être... Oh putain, comment je te dessine ça? Waouh, comment je te dessine ça? Non, je sais pas comment je te dessine ça. Ouais, je... Est-ce que quelqu'un a une meilleure idée de comment tu pouvais dessiner le fait d'être... Ah, j'aurais pu dessiner quelqu'un qui était attaché sur lui-même. Genre, ah merde, putain, j'avais pas pensé à ça. Ouais, attaché, donc les deux persos étaient attachés entre eux, je sais pas, en fait. Ouais, au début, je voulais dessiner des menottes, mais je me suis dit, menottes, tu penses pas forcément à attaché. Menotté, menottes, police, crime, prison, vous allez partir tous dans des trucs comme ça, mais attaché. Ah, la voiture! Tu t'attaches en voiture, j'y ai pas pensé. Oh merde, eh oui, attache... Oh non, d'accord, alors là, mon cerveau, il a fait... Ouf! Il a disparu. Bon, dans celle-là, vous m'autorisez du dialogue, s'il vous plaît. Alors... Alors, si vous trouvez pas... Bon, alors, je vais vous faire un autre dessin pour trouver. Voilà, ça, c'est à part, hein, ce dessin. C'est le même mot, mais sous une autre forme, d'accord ? Bravo, chérie Ali, qui a trouvé que c'était de la tequila. Félicitations, bravo! Allez, je vous laisse 30 secondes là pour comprendre le dessin. Ouais, peut-être c'était trop poussé. C'était peut-être trop poussé. J'aime bien vos réactions. Voilà, comment tu dessines tequila? Parce que même là, je suis allé vérifier sur Google, j'étais pas sûr de savoir à quoi ça ressemblait une bouteille de tequila ou s'il y avait un cocktail, un style de verre particulier qui ressemblait à ça. Bon, voilà. Donc, salut, Tequila. C'est parti. Alors, mot suivant. Waouh, les deux mots que j'ai, je les connais et je suis pas sûr de savoir à quoi ça ressemble. Je vérifie ça tout de suite. Oh, ok, d'accord, ça ressemble à ça. Oh, nice. Ok. Si, ça va être simple. Ça va être simple à dessiner, mais il faut avoir le vocabulaire pour le coup. Hop. Attention.
Alors, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? J'espère que je suis pas gouré, hein. J'ai vérifié dans Google. Ouais, c'est bien ça. Ça s'appelait une soutane. Ouais, c'est ça que je vous dis, qu'il fallait avoir le vocabulaire pour le coup. Tu me l'aurais dessiné, j'aurais jamais trouvé que ça s'appelait comme ça. Je m'en serais pas souvenu que ça s'appelle une soutane. Je crois que je l'ai su un jour, mais ton pseudo est très long. Il y a 3 points de suspension. Zenitsu, ça s'arrête pas. Bah bravo, bien joué, bravo d'avoir trouvé le mot, félicitations. On est qu'à la manche 19 sur 50, on a encore un peu le temps. On part sur... un truc un petit peu plus facile. Un petit peu plus simple. Allez. Bien joué, ouais, c'était simple pour le coup. C'était un bracelet. Un rond qui pendouille au niveau du bras, effectivement, c'était un bracelet, bravo. Vraiment facile pour le coup, celui-là. Putain, à chaque mot, je vais devoir aller vérifier comment ça se représente. Est-ce qu'on parle bien de la même chose? Non, mais jamais je te dessine ça, par contre. Waouh, mais c'est impossible. Ah, d'accord, putain. Oh, d'accord, si, en fait, j'ai compris ce que c'est. Waouh, ok. Ok, oh, il va être intéressant à faire celui-là. Il va être sympathique. Oups, je devais dessiner. Bien joué. J'ai pas eu le temps de faire ma petite flèche. C'était un moulinet. Bien joué, ouais. Parce que j'ai lu moulinet et j'ai dit, mais c'est quoi un moulinet? C'est un rapport avec le moulin? C'est le fait de mouliner quelque chose, de la bouffe, je sais pas quoi, chercher. Et puis je voyais des dessins de moulinet dans Google et j'ai cru que c'était un truc qu'il y avait dans les voitures, un moteur. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et après, je l'ai vu accrocher une canne à pêche et j'ai fait, ah oui, le moulinet, bien sûr. Voilà, c'est dur. Ah non, c'est un des plus simples qu'on a fait celui-là, je trouve. Ça va, on a eu beaucoup plus dur. Cacatoès, évidemment. Attends, celui-là il va être difficile à... Comment je dessine ça, moi? Waouh! Non mais sans déconner! Comment tu peux trouver? J'ai encore rien. Ah si, d'accord, dans le chat vous étiez vachement sur l'idée en fait, autant pour moi. D'accord. Bon, bien joué, bravo. C'était le mot économiser. Genre je dessine le fait que, ah, il y a un truc qui l'intéresse trop, mais tu vois, il a un portefeuille. J'avais dessiné une petite pièce au fond, il vaut mieux qu'il économise. Non, vous êtes trop fort là. Tokyoshi 87, t'es le boss en fait, juste. T'es trop fort. Bien joué! Waouh, attends, celui-là. Ok. Ok, 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 on va rigoler. Non! Non! Comment t'as pu trouver?
Comment t'as pu trouver? C'est pas possible. J'allais dessiner. Alors dessiner un juge, genre au tribunal, c'est beaucoup trop simple, les cheveux, donc j'allais dessiner le juge dans les émissions de télé, le buzzer, mais j'allais d'abord dessiner le public en arrière-plan, puis après les trois jurys qu'il y avait là, tu vois, le... Non, là, ça... C'est ouf. Là, c'est ouf. Bravo. X-Rail, bah, bravo, t'es trop fort. T'as utilisé ta vision X-Rail, là, à travers ton écran pour voir mon mot chez moi, et puis voilà. T'es incroyable. Je l'avais aussi trop simple. Ah ouais? Putain, on a partagé le même cerveau alors. C'est trop fort. Hein. Ou alors s'il faut depuis le début, vous voyez les mots que je choisis, vous me le dites pas, je sais pas. Alors, celui-là il va être marrant mais assez rapide je pense. Hop là. Oh, la perspective que je suis en train de me faire là. Je suis foutu. Ouf, je l'ai mal fait, mais t'as capté. Ouais. Bien joué. Bravo, c'était un bac à glaçons. Bravo. Ok, d'accord, c'était pas le plus... J'aurais dû faire le réfrigérateur de face avec les aliments dans le frigo. Là, on aurait juste dit une armoire ouverte, une commode. On sait pas. Non, bien joué. Adèle G, bien joué. Rien à dire. Rien à dire. Bon ben on va essayer de faire ça avec de tête. Hein. Trop fort. J'ai même pas eu le temps de dessiner le petit cœur. Trop fort. Trop fort, organe. Même pas ta pensée à intestin, même pas ta pensée à cadavre. Non, organe direct. Trop fort. Chapeau. Chapeau. C'était organe. Bravo, Lia 29. Non, vraiment, vous êtes trop, trop, trop chaud. Là, chapeau, hein. Non, là, chapeau, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. C'était une clé anglaise. C'est une clé qui boit du thé. Elle a un petit monocle sur l'œil, tu sais, comme les Anglais, forcément. Et elle mange ses petits gâteaux. C'est une clé anglaise. Ouais, chaud, hein. Mais j'ai commencé par le thé, mais je sais pas ce que c'est la couleur du thé. Donc j'ai mis marron, mais en mettant marron, je me suis dit, aïe, ça va faire café. Puis le petit monocle, et après, je te dessine la clé. Ouais, bon, allez.
Mais si je te dessine juste une clé anglaise, c'est bon, tout le monde a trouvé, et c'est celui qui écrit le plus vite sur son clavier. Non, là, je fais travailler l'imagination. Et ouais, le T c'est vert, j'ai eu un doute, désolé. Ok. Ok. Ouais, j'ai pas le temps de faire mes blagues, j'ai pas le temps d'aller aussi vite, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Je voulais vous induire en erreur, en mode au début je vous dessine quelqu'un qui fait pipi en fait, et en fait à la fin il devient orange, et en fait c'était une grosse, c'est pas une grosse tête, c'est du coup c'était une orange qui faisait... Bref, c'était du jus d'orange. Bravo Firty One. Enfin en 2022. Oh ça fait mal ce que tu viens de dire, j'ai trop mal. Bravo. Effectivement du quoi je force, c'est juste que c'est... si je te dessine une bouteille avec un rond orange dessus, tout le monde trouve que c'est jus d'orange, c'est trop nul, faut que ce soit plus subtil. Regarde, bon d'accord, je force trop, j'ai compris. Ok, vas-y, on en fait un facile. Ah merde, j'ai pas lu le... Ah non, j'ai pas bien lu le mot. Ah, je suis désolé. Ok, je recommence. Je me suis dit, mais c'est un peu long, comment ça se fait qu'il devine pas? Ah, c'était pas casquette, c'était cassette. Non, tu es moi. Bravo, tu as trouvé cassette avec un rectangle. Félicitations. Ah, t'es fort, t'es très très fort. On est à la 28ème manche, bravo. Non mais c'est... Vous foutez la pression, regarde, je transpire et tout, vous me donnez chaud là, à me juger là. Oh, putain, vous êtes trop fort, bravo. Tiens, je vais lire des subs pour faire une pause. Merci Thomas CLRT qui arrive ça pour son 18ème mois. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Merci Hydrobot pour les 23 mois de resub. Bientôt les 2 ans, félicitations. Divengers, merci pour les 2 ans de resub et en plus en tier 2. Merci beaucoup. Et bon anniversaire. Merci Andy Oui qui arrive ça pour son 7ème mois. Merci Ange de la Vie 330 qui a sub en Prime. Pour la première fois de toute sa vie, bienvenue. Merci Elijah 77 qui a resub pour son 30ème mois. Je suis choqué à quel point c'est passé vite, sinon rien à voir, mais je suis très heureux car dans quelques semaines j'aurai enfin ma Switch OLED édition Pokémon. Ah, bien ça, bien joué. Je te souhaite de bien game. Firiadel, merci pour les 37 mois de resub, merci beaucoup. Et ben Julien, merci pour les 245 bits. MDR, les modos vont mettre les mods only pour gagner. Oh non, les modos, faites pas ça. Lika Onia, merci pour le Prime. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. J'espère que le stream te plaît. Et après, j'ai lu tout. Valkyrie 73 qui avait envoyé 200 bits, j'ai lu. Et Elix 2 qui arrive ça pour son 33ème mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors attention, on part dans 3, on part dans 2, on part pour un nouveau mot dans 1, on part maintenant. Let's go. Ouais, j'étais pas sûr de comment dessiner la position des jambes. Je savais pas si je dessinais un mec qui saute normalement ou un mec qui fait du saut en longueur, tu sais, qui a les jambes en avant, mais je sais pas si on aurait bien compris le dessin dans ce cas-là. C'était le mot saut. Il fait un saut, il saute, du coup. Non, c'était pas le mot concentré, c'était pas le mot art martial non plus, non, désolé. Nouveau mot. À quoi ça ressemble déjà? Enfin, je sais visuellement, mais je veux être sûr de ne pas faire de bêtises. Ah, ça vraiment... Ah ouais, d'accord. Bon. Eh mais putain. On va rire.
me to break. I'm a chef-chefer at post-masquerade. I name both face and mind. Ouais, j'avais commencé à dessiner des petites fourmis sur la langue. Ouais, maintenant j'ai décidé que je fais les dessins en 3 traits, pas plus, parce que sinon c'est trop facile du coup. Donc ouais, c'était un tamanoir, bien joué. J'allais dessiner des tout petites fourmis là qui sont sur sa langue là et qui remontent et tout, mais j'ai pas eu le temps. Attends, mais un fourmilier et un tamanoir c'est la même chose ou pas? Je confonds. Oh non, j'ai fait une erreur encore ou pas? Non, j'ai tapé tamanoir. Ah ok, alors. Ok, alors. Pour ma défense, j'aimerais que tout le monde m'écoute. Pour ma défense, j'ai tapé de tamanoir et il y a eu plein d'images de ce que j'ai dessiné. Et là, en bas à gauche, là, je clique dessus et je vois quoi? Je vois cet animal là. Bon, vous le voyez pas parce que c'est trop blanc. Voilà, avec la langue qui pendouille. Et du coup, j'ai pas regardé forcément la description et j'ai cru que c'était ça un tamanoir. Et je me suis dit, mais en fait, tamanoir et fourmilier, c'est la même chose. Et là, j'ai eu un doute et j'espère que je me suis pas trompé. Et venez, on fait. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que vous allez bien, trop bien. Gartic Show, waouh, énorme. Le tamanoir également, nommé fourmilier géant. Ah, let's go, ça fonctionne. Bon, bah, je suis rassuré quoi. Ok. Nouveau mot à deviner. Bien joué, c'est un photographe. Un mec qui prend une photo mais qui se concentre bien. Photographe, let's go. Trop chaud, trop chaud, trop chaud, bravo. Waouh, ça va être compliqué ça. Mais je vais essayer. Bon, alors déjà au niveau des yeux, c'est une catastrophe. J'essaie de te faire de la perspective avec des bonhommes en bâton, s'il te plaît. Alors là, il va falloir le trouver. Hein. Ah bah vous l'avez trouvé, bravo, bravo, MHW Lasagna 25. C'était le fait de se rapprocher. Comment tu dessines quelqu'un qui se rapproche? Donc j'imagine quelqu'un qui se rapproche lentement. Mais à moins d'y aller sur la pointe des pieds, je me suis dit quelqu'un qui rampe, tu vois, il se rapproche. Il a une distance à parcourir pour aller jusqu'à sa cible, donc il se rapproche. C'est très difficile. Et c'est comme ça que je dessine les gens qui rampent. Ouais, tout à fait. Bien, nouveau mot. Bravo hein, pour avoir trouvé ça. Comment tu dessines ça? Mais comment tu dessines ça? Ah d'accord, tu dessines ça comme ça. Ok, oui, je le voyais pas comme ça. D'accord. Ça va le faire. Bon courage hein, pour celui-là. Merde. Ouais, bien joué. Bien joué. Bravo, c'était débroussaillé. Putain, c'est dur comme mot, ça. Débroussaillé, t'y penses pas? Le mec qui débroussaille son jardin, avec, il a son casque là, comme ça, devant lui. Il a sa machine là, comme ça, et il fait vrrrr, il débroussaille, il est forcément trop fort. Ouf. Les deux sont durs à dessiner, je trouve. Même que le premier mot, je sais même pas ce que c'est, en vrai. Comment tu peux représenter ça? Tu
Oh, mais c'est génial en fait. Ok. Alors attends de voir ça, tu vas voir. Il a des très grandes jambes, le monsieur. Donc en fait, je suis en train de vous raconter une histoire. Du coup, le mec, d'abord, il a débroussaillé le jardin. Ensuite, il y a le paysagiste qui est venu et qui a bien paysagé les arbres, du coup. Qui les a bien découpés, bien ronds. Voilà, parfait, il n'y a pas une feuille qui dépasse et tout. Et donc là, trop hâte de faire le pisciniste, juste après. Ou le maçon qui construit le mur, je sais pas. Alors comment ça, paysagiste, je connais pas ça. Arrêtez, s'il vous plaît, vous commencez à m'inquiéter là. Elles sont où vos bagages? Vous n'avez pas de bagages? Il a quoi sur la tête? Ben toujours un casque, la visière, il a oublié de l'enlever depuis tout à l'heure. Depuis qu'il a débroussaillé, il a oublié d'enlever sa visière, du coup le pauvre. Je connais pas. Le paysagiste, il peint. Oh non. Vous êtes en train de me dire que les paysagistes, ils s'occupent pas des... Les paysagistes extérieurs, il fait genre les jardins... Tu vois, il stylise, il met des beaux cailloux blancs, il met de la belle pelouse, il te coupe les arbres bien dans une belle forme, il te fait tes haies et tout. Voilà, il fait plein de choses le paysagiste, donc je commence à douter là. Mais maintenant, dès que j'ouvre la bouche, j'ai trop peur. Parce que les gens, ils me disent, mais paysagiste, enfin, Farod, il fait de la peinture, qu'est-ce que tu racontes? Bon, venez, il s'est rien passé pour vous, là c'est gênant pour vous. Bonsoir, hey, bienvenue pour ce nouveau live. Ouais, on va jouer à Gartic Phone. Alors attention, le but du jeu c'est que je dessine. Et vous devinez ce que je dessine. Là par exemple, attention, je dessine. Hop. Ah, qu'est-ce que ça peut bien être? Oui, c'était un serpent. Bravo, bien joué. I love DSi 7. Tu adores la Nintendo DSi, c'est formidable. Voilà, c'est un jeu extrêmement facile où il faut pas forcément avoir beaucoup de culture du coup. Yes, bien joué. Regardez, on en fait un deuxième pour voir. Attention, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, je dois l'admettre. Hop, attention, hop, voilà, 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 clac, clac, attention, clac. Ah, qu'est-ce que ça peut être? C'était un réveil, bien vu. Ah, y en a qui ont de la culture dans le chat, vous êtes super chaud, bravo, incroyable. Un petit dernier pour la route, juste pour voir à quoi ça ressemble du coup. Vas-y, tu sais quoi, on est là. Hop, alors qu'est-ce que ça peut être? Oh, un trait bleu. Il a fait un trait bleu. Et oui, c'était la mer, bien vu. Oh là là, vous êtes vraiment puissant, ce jeu est trop fait pour vous, waouh, incroyable. Alors, on va essayer de maintenant augmenter un petit peu le level up, si vous le voulez bien. Ah, j'avais raison, c'est paysagiste, architecte, c'est pas sphère. Donc, level up, tout ça, je ne connais pas ce mot, qu'est-ce que c'est? J'aime bien prendre des mots que je connais pas. Ah ouais, d'accord, c'est du même niveau que l'oiseau de tout à l'heure. Et là, vous allez tous me dire, mais enfin, Farod, tout le monde sait ce que c'est. Un couperet. Voyons, c'est comme une petite machette. Mais quoi, t'as jamais été bouché dans ta vie, Farod? Tu sais pas ce que c'est un couperet? Non, je ne sais pas ce qu'est un couperet. Alors, couperet. Allons voir ça dans le wiki dictionnaire. Nom singulier, sorte de couteau de boucherie et de cuisine, fort large, qui sert à débiter de la viande. Vous savez ce que c'était un couperet? Un couperet, c'est un habit. J'adore ce chat. Oh, vous êtes trop chaud ce soir. Oh, je vous adore. Oh, je vous adore ce soir. Vous êtes trop bien. Donc, je vais faire l'autre dessin, si vous le voulez bien. Qui va être un peu dur à faire. Alors. Vous pouvez déjà essayer de deviner. Hein. Là, vous êtes chaud, je le sens. Ah, ta-ta-ta-ta. Ouais, c'est exactement comme ça. Parfait. Un Pokémon que je suis en train de vous dessiner actuellement. Ouais, bien joué, c'était un bison. Trop fort. Non, ce n'était pas Buffalo Grill, c'était bien un bison. Trop fort, trop fort. Je l'ai fait en quoi? En 5 traits. Incroyable. Ça, c'est marrant, ça. Alors. Ah oui, il faudrait dessiner peut-être à un moment donné.
très content, le monsieur. Alors là, vraiment cliché, hein, ce que je vais dessiner. Bien joué, c'était des pantoufles. J'ai pas eu le temps de te dessiner ni les bras, ni les flèches qui montrent les pantoufles. En fait, il est au lit, c'est pas une chemise, je voulais dessiner un pyjama, donc j'ai pensé au cliché des chemises de nuit, tu sais. Non, ce n'était pas Batman, le chat. C'est dommage, t'étais vraiment à ça de l'avoir, et puis pour le coup... Ce n'est pas un ordinateur, c'est un lit. C'est un lit, alors peut-être tu ne sais pas ce qu'est un lit. C'est un lit, deux personnes, il y a les oreillers, il y a la couette, il y a la tête de lit. Il n'y a pas les pieds, certes, parce que j'étais concentré sur les pieds de la personne, parce qu'on dessine pas des pantoufles pour un lit, d'accord ? On dessine des pantoufles pour un humain. C'est pas grave, vas-y, on continue. Je vais te dessiner... Alors, comment on dessine ça, déjà ? Ça, déjà, c'est pas noir. Là. Ok. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, il est beau! Il est pas mal! Ouais, je l'ai bien fait, celui-là. Alors! Vous voyez pas? Ah, pardon, attendez. Désolé, je me suis trompé. Oh non! Eh oui, c'était un veau. Vous êtes chaud, bien joué, bravo. C'était un veau, l'animal. Comme tu peux le constater à la... Au détail du... À la forme des... C'était un veau, bien joué le chat. Bravo Tokiyoshi97, tu es trop fort. Excellent, bravo. Il y a le mot religieux, je vous le dis parce que je vais pas le dessiner, mais il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la religion dans ce jeu. Je vais faire l'autre mot du coup. Hein. L'autre mot qui est canard, hein, je vous le dis au cas où. Vas-y, je te le dessine de la façon la plus simple possible. Ouais, c'est peut-être un peu trop compliqué. Hein. À dessiner. Il est pas très droit là, désolé. J'ai fini hein, le dessin au cas où. Si vous posez la question. Ah, peut-être vous en voulez un deuxième. Ouais, c'était un aéroport, parce qu'il y a plein d'avions. Bien vu. C'était pas des branches d'arbres, c'était pas des pattes d'oiseaux, c'était des avions. Oh, désolé si vous savez pas dessiner des avions, hein. Excusez-moi. C'était, regarde, on voit bien que celui-là, il vole. Celui-là, il va atterrir. Celui-là, il fait le plein d'essence. Celui-là, il a un problème technique qui se fait réparer. Et ça, c'est quoi, ça? C'est le bâtiment, c'est l'aéroport. Excusez-moi, c'est la tour de contrôle. Là, on voit l'accueil des passagers. Là, il y a l'embarquement, juste là. Là, il y a les petites galeries, là. Hop, là, il y a un petit resto. Là, il y a un petit McDo, on se met bien. Voilà, là, il y a les toilettes. Ah, elles sont en train de se faire laver, les toilettes. Je ne peux pas y aller pour l'instant, désolé. Jurage Kit, ça me saoule MDR. Yes, let's go. On y arrive. Bravo. Allez, nouveau mot. T'exagérons, je trouve pas, non. Allez, je vous en fais un facile. Bravo, vous avez trouvé, vous êtes trop fort, félicitations. Ah non, si, ça y est, Tokiyoshi 87 encore. C'est le fait de grandir. Tu es petit, flèche, tu es grand, tu as grandi, action, le verbe, grandir. Bravo, énorme. C'est facile à trouver. Et comme c'est difficile à dessiner, j'aurai pas le temps de dessiner, de finir le dessin que vous aurez déjà trouvé, à mon avis.
Ce n'est pas sa bite. Pardon, c'est... Ouais, ok. Ouais, d'accord. Vous avez tous compris que j'ai bien fait de le dessiner en premier. C'est un micro, oui, mais alors du coup, vous auriez pu penser à chanteur et tout ça. C'est pour ça que je me suis dit, j'aurais pas le temps de dessiner le public, la roue de la fortune qui sera juste derrière, tout ça. J'aurais pas le temps, ils vont de suite trouver que c'est un présentateur. Ben voilà, vous êtes trop chaud. Bravo. Bravo, bravo. Allez, celui-là, je vais le dessiner avec mes connaissances. Hop là. Ouais, flemme de tous les faire, mais t'as capté. On va dire qu'il y a des tout petits trous pour rouler. Attention, je roule. Je suis content. Ça, c'est le conducteur du train, il est trop content. C'était un TGV, bien vu, qu'on appelle aussi un train à grande vitesse. C'est comme, c'est une expression, voilà, c'est comme avoir des bagages, finalement. C'est la culture, quoi. Choisis un mot. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est quoi ça? Comment ça se dessine, ce machin? Ah bon, c'est ça? Ça s'appelle comme ça? Oh, c'est marrant. Oh putain, alors celui-là, si quelqu'un le trouve, chapeau. Chapeau! C'est un indice que je viens de dire. Chapeau, attention. La perspective, on est là. Non mais sérieux. Comment t'as fait? Même moi, jamais je le trouve ce mot. Comment t'as fait? Adri-dodo, là, quand tu m'expliques. C'est du squash. Ouais, même moi, j'étais pas sûr de savoir ce que c'était, donc je suis allé vérifier sur Google. Et c'est des gens qui sont dans une pièce fermée et qui jouent avec des raquettes, entre guillemets, de tennis, contre un mur, et qui s'envoient la balle avec le mur. Et apparemment, ça s'appelle du squash. Et je ne savais pas. Et j'ai jamais joué, j'ai jamais vu personne jouer, je connais pas du tout. Enfin, je connaissais vite fait, de tête, mais sans plus. Et j'ai pas eu le temps de dessiner la deuxième personne, ni la balle, ni les filets de la raquette. Vous êtes trop fort, voilà. Adri Dodo, tu as des bagages. Bravo, bravo, c'est bien. Oh, il va être trop bien dessiné, mais vous allez me laisser... Je vais faire 4 traits. 4 traits, j'aurais pas eu le temps de... Vous allez deviner de suite. Hein. Premier trait... Ah ouais, non, faut quand même que je dessine le perso. Ouais, j'ai même pas eu le temps de faire les rideaux rouges, quoi. De trop fort. De trop fort. Et ça parce que j'ai fait l'estrade de couleur marron. Et là, vous êtes dit, waouh, attention, c'est pas simplement quelqu'un qui chante ou qui fait quelque chose. Il y a une estrade. C'est du théâtre. Aussi du théâtre, c'est parti. Bien joué. Il avait la main sur le cœur, parce que tu vois, il récitait son texte. Il fait, être ou ne pas être, tel est, this is the question. Il était chaud. Mais c'est quoi ces mots? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Attends, je vais encore vérifier. Mais j'aime bien, parce qu'il y a que des mots que j'apprends, là. Ah si, je crois savoir ce que c'est. Hop, jamais je te le dessine, ça. Je te le dis, le mot, c'était macadamia. Alors au début, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est une danse? C'est un truc un peu de soirée ou quoi? Et non, en fait, c'est les noix de macadamia. Je te dessine pas des noix de macadamia, je sais pas comment on les dessine. Donc je vais faire le deuxième mot. Attention. Macadamia, c'est comme Maero macadamia, tu vois, c'est le même truc. Allez, celui-là, vous devrez déjà l'avoir trouvé. Allez, on l'a. On l'a. Allez, vous l'avez pas? Sérieux? La perspective est affreuse.
Ouais, c'était le plafond, bravo. Ah, vous avez mis du temps pour le trouver. Bien joué. Bravo. Ah, franchement, chaud. Il n'y a pas forcément tout le monde qui a la ref. Il n'y a pas tout le monde forcément qui connaît ce mot. Non, j'avoue que c'était un petit peu pas cool de ma part de l'avoir choisi. On continue. Oh putain, il reste plus... On est déjà à 47 manches. Il en reste plus que 3. Enfin, tu te moques de nous. Moi ? Quoi ? Pardon, mais pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Oh. Ok. Effectivement, c'était le verbe couvrir, du coup, comme quand on couvre quelqu'un qui a froid, par exemple, ou quand on couvre quelqu'un à la guerre pour qu'il aille arrêter la bombe qui va exploser, ou quand on couvre le cadavre de quelqu'un pour... Yes. Donc, le verbe couvrir, hein. Bravo à celui qui a trouvé, Shei Seki, félicitations, tu es trop fort. Hein. Il est très très froid, il est mort de froid en fait, j'ai fait un mélange de tout là. On le couvre parce qu'il a froid, mais parce qu'il est mort, il est mort de froid, excellent. Ok, celle-là elle va être bien, celle-là. Ok. Allez, là vous devez la voir. Je sais que c'est pas forcément jaune la couleur, mais... normalement, tout le monde connaît ce mot. Hein. Peut-être que j'ai peut-être pas mis assez d'étoiles, je sais pas. Bien joué, c'était une table de nuit, bravo, il fait nuit, il y a une table de nuit, tu es trop fort, oh là là, Urio, t'es un monstre, bravo, malgré le fait que c'était, c'est une table de nuit, hein. Sinon il ferait jour et on appellerait ça une table de jour, hein. Allô, la culture, je sais pas, bravo, c'est l'avant-dernier mot, je vais essayer de pas faire des trucs trop simples pour l'avant-dernier mot. Voilà, les deux, c'est vraiment deux mots ultra simples. C'est comme s'il avait écrit caillou et fleur. C'est du même niveau. Comment te faire un truc compliqué ? Prends le deuxième, c'est une bonne idée. Ah mais le deuxième... Franchement, je prends le deuxième et je dessine rien et je sais que quelqu'un va trouver. 100%. Je ne fais rien, je sais que quelqu'un va trouver. Je veux juste savoir au bout de combien de secondes quelqu'un trouve. C'est génial. C'est génial. C'était effectivement une maison. Bien vu. Tu as bien trouvé, tu as bien deviné, tu as bien compris la perspective et le dégradé de couleur. Non, chapeau. C'est... Bravo, Imam Femme. Imam Femme, c'était effectivement une maison. Tu dois être sur le cul autant que moi, si tu veux mon avis. Mesdames et messieurs, nous allons passer au dernier dessin de ce sort. Putain, me régale ce jeu. C'est trop bien. Oh, attends, c'est quoi ce mot ? Attends, c'est quoi ce mot ? Il n'existe pas. Si, il existe. Oh, d'accord, eh, je viens d'avoir un bagage, là. Eh, vous allez tous avoir un bagage ce soir. Préparez-vous, là, vous allez découvrir un nouveau bagage. Ouf. Nouveau bagage en vue, préparez-vous.
Bravo. Bravo. C'était une plainte. Je n'avais aucune idée que ça s'écrivait comme ça. Plainte. P-L-I-N-T-H-E. La plainte. Et les plaintes qu'il y a au sol, là. À côté, sur les murs de la maison, tout ça, les plaintes. Commencez pas à me dire que je connaissais pas, là, je vais me barrer. Hein. Mais par contre, je ne savais pas du tout que ça s'écrivait comme ça. Donc, je viens d'attraper un nouveau bagage. Très heureux. J'appelais ça du bois. Et après, on a Money School, du coup, dans le chat, qui appelait ça du bois, forcément, alors que c'est pas forcément en bois. Moi, j'ai des plaintes, là, qui sont en carreau. Enfin, comme ce que j'ai sur le sol, c'est du... je sais plus comment on dit, bref. Yes. Bah, incroyable. Le truc sur le mur, c'est pas mal aussi. Du carrelage, exactement. Là, du coup, t'as le mot, ouais. Moi, j'ai des plaintes en carrelage, chez moi, du coup. J'ai toujours eu ça, partout, où j'ai vécu. C'est pour ça que j'ai fait de couleur grise. Peut-être qu'il y a des gens qui ont que eu des plaintes en bois, et du coup, ça aurait été plus simple si j'avais fait en marron. Désolé, là, on n'a pas du tout le même vécu. Eh ben, bravo à tous et à toutes. C'était une belle game. La partie est terminée. Ben voilà, donc on a le classement de la manche. Bravo, Oupes. Qui a fini premier, Tokiyoshi 97, deuxième, Biu, troisième, Ferti One, quatrième, Adel G, cinquième, et on a tous les autres pseudos qui apparaissent, Imom Femme, Obra Ozu, I Love DSI, Black Galaxy, Pikman 26, Iskai Droxu, Ferida 25, X-Ray, Le Plankton, Shirosune, Adri Dodo, Stilitail, Siam, hey, bonjour Siam, Président Weber, putain si c'est une allusion à l'écrivain, je t'adore. Lia 29, Tom le Gamer, Alicia DPA, Shay Seki, Jordan FM, Thomas Ama, Anux Drid, Matt Flamme, Gotre Kushuriken, Sacha 55, Clem Knight, Zenitsu, Maitso Maiki, MHW Lasagna, Urio, Antarenkos, Oxyphone, Money School, bonjour, J.I.S.E. et Chéri Ali. Et donc le classement final prend en compte du coup la partie précédente, les 15 précédentes manches qu'on a fait. Bravo Oupes, tu t'es mis bien, Tokiyoshi, bravo. En fait non, c'est juste, on a le même classement, sauf que Firty One il a tout démonté à la première. On a Moon aussi qui est juste là. Non, félicitations, bravo. C'était une bonne session de game, moi j'ai bien aimé. C'était cool, redémarrer. Non, on va quitter le jeu, du coup. Hop, ah oui, c'est vrai que ça se jouait sur internet, il n'y avait pas besoin de... J'ai oublié de le dire, peut-être ça vous intéresse, le jeu est gratuit. Gartic.show/fr. Le jeu est gratuit, du coup, il se joue sur internet, il n'y a même pas besoin d'installer quoi que ce soit, il se joue avec un navigateur. C'était bien, il est 22h07, pile l'heure pour s'arrêter, c'est impeccable. Comme j'avais dit, hein, les lives là, pendant quelques jours, ils vont se terminer à 22h. C'était marrant en vrai, et c'est passé super vite. J'ai démarré le live il y a 2h05, et c'est passé super vite. J'ai passé un grave bon moment, c'était marrant. C'est marrant, j'ai essayé de vous piéger 2-3 fois, c'était grave cool. À refaire, carrément à refaire. Au revoir YouTube, des bisous, passe une bonne journée, à bientôt, ciao ciao.